Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Jack 3. Ça sera sans doute le dernier épisode, donc on va essayer d'en profiter un maximum. Je galère un peu dans ce niveau. Dans l'épisode précédent, j'ai essayé de le faire plusieurs fois. Et plusieurs fois, je suis mort. C'est compliqué. Mais il y a de la plateforme et ça, c'est cool. Putain. Rien que là, je suis mort 10 000 fois. Alors qu'en vrai, il y a rien de compliqué. C'est juste que les ennemis me stressent. Du coup, je fais n'importe quoi. Et ça me saoule. Allez, on est parti. Parce qu'en fait, il y a des ennemis qui arrivent quand t'es à peu près au milieu de la plateforme. Et du coup, c'est stressant parce qu'ils te tirent dessus. Voilà. Bon, là, je les ai tués déjà. Donc, comme ça, ils vont pas me faire chier. Maintenant, faut juste que je saute bien. Voilà. Parfait. Puis le timer, là, de 4 minutes, ça aussi, ça me stresse. J'ai l'impression que c'est une course. Allez, on est parti. Alors là, c'est chaud, hein, parce que... Ok, ça passe. Oh là là, putain. Oh putain. Je suis passé, mais je sais même pas comment j'ai fait. Voilà, toi tu mords. Ok, toi tu mords. Putain, il y en a combien d'ennemis là? Allez, allez, j'essaie d'avancer moi. Hein. Alors, à savoir que j'ai jamais été aussi loin. C'est ma première fois. Ah, à mon avis, je vais devoir me transformer en ange. Ok. Je vais devoir aller devant. Ok, c'est bon. Ensuite, ici, je dirais. Ok, ensuite là-bas. Ça fait plaisir de faire de la plateforme, quand même. Il n'y en a pas assez dans ce jeu, je trouve. Mais bon, on va pas se plaindre. Il y en a quand même un peu. À mon avis, il faut que je les tue avant. Oui. Putain, ils me mettent cher. Hein. Putain! Ma vie, quoi. Putain, ma vie. Mais non. Oh là là, je fais nimp. Putain. Pas du début, pas du début. Ah. Ah, j'ai un peu de chance. Je suis fatigué de ce jeu. Allez, c'est la fin. On n'est pas loin du boss final. Je suis à 96% du jeu. C'était une épreuve, hein, quand même. Hein. Il y a eu beaucoup d'épisodes, beaucoup de cuts.
C'était quelque chose, hein. Je pensais vraiment que j'allais réussir en très peu d'épisodes, mais pas du tout. En fait, quand on m'a dit il est plus facile, je me suis dit, ok, bah ça va être vite fait. Mais pas du tout. Pas du tout. Loin de là. Par contre, j'ai vu un mec qui faisait un let's play, sur le jeu aussi. Et le mec, il a cartonné le jeu en très peu de temps. Je sais pas comment il fait, hein. Après, quand tu connais déjà le jeu par cœur et tout, je pense que ça doit aider pas mal. C'est logique après, hein. Mais du coup, ouais. Quand tu connais bien le jeu, ça va très très vite. Par contre, quand tu ne le connais pas, tu galères bien. Tu galères bien. Bon, je pense que là, j'ai bien avancé là. Je dois plus être très loin de la fin. Si ces horribles engins se réveillent, adieu planète! Ces créateurs noirs se contrôlent. Vous imaginez un peu? Je t'aurai, Erol. Même si je dois mourir. Oh my god. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout pète. Oh là là. Oh là là, que dois-je faire? Oh là là, oh là là, oh là là. Oh mon Dieu. Ok. Attendez. Allez, on est parti. Ah, ça te met bien la pression là. T'as tout qui part en couille. Putain. Allez, allez. Putain. Il va vers la ville. On doit la défendre. Pour Damus. Dernière mission pour Jack et l'éclair-orange. On y croit, mon pote. Jusqu'au bout. Allez, c'est parti. La dernière mission pour Damus. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est marqué Damas dans les sous-titres. Un peu bizarre. Allez, on est parti. Putain... Erol, c'est vraiment un enfoiré celui-là. Avec sa sale tête là. Je vais le défoncer. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Oh putain, c'est énorme. Énorme. Faut que je tire là-dessus. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais.
Ça va pas être simple. Oh là là, il lance plein de trucs en plus. Allez. Ouais, j'en ai tué deux là, c'est pas mal. Là, il y en a un. Putain, j'étais dessus. Allez, un de moins. Alors je me tais, hein. J'essaie de me focus parce que c'est vraiment pas simple. Moi les véhicules, hein, vous savez. Hein. Nous sachons, hein. C'est pas facile. Oh, putain. L'angoisse. Là, il y en a deux juste devant moi. Ok, j'en ai tué un. Putain, arrête de... Oh là là, mais c'est galère. Allez, un de moins. Deux de moins. Il est en train de tout détruire. Putain, ils sont où? Ah, il y en a un là. Il est sur le côté aussi. Mon véhicule. Oh bah c'est mort. J'avais pas du tout fait attention au véhicule qui est complètement dead. En fait là ceux qui restent c'est ceux sur le côté. Oh là là mais... Allez, encore un coup et je suis mort. Super. Puis une cartonne, hein, l'autre. Oh oh. Allez, on est parti. On va le défoncer. J'en peux plus de sa sale tronche à l'autre. N'empêche... Waouh, comment c'est énorme. C'est énorme et sec. Ah non, mais là, c'est trop, hein. Comment je vais faire? Comment vais-je faire? Allez, un de moins.
Je cartonne dans le tas, moi, on verra après. Hein. Oh là là, la conduite. Quelle purge. Allez, un de moi. Si je peux en détruire deux là. Tiens, j'en ai détruit un au moins. Ok. Allez, hop. Allez, un encore. Ah, ça va, c'est pas trop mal. Je m'en sors plutôt bien, je trouve. Pour l'instant. Un de moins. Allez, plus que 7. 6. Il y en a deux devant moi. Putain. Aïe, 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 aïe. Oh là là, comment il cartonne. Voilà. Comment tu veux que j'y arrive? Dès que j'arrive à côté du truc, il se barre. Comment tu veux que j'y arrive? C'est impossible. Putain, il n'y en a que 6, hein. Ouf, j'en ai tué 3 là. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout là. Tout ce qui se passe est magnifique. J'en ai tué plein d'un coup. Je m'y attendais tellement pas. Il est où là? Ah, il doit être là, mais sur le côté. Là en hauteur, je peux pas. Ça sert à rien. Faut qu'il traverse la ville et que j'essaie de le prendre à revers. Non! Non! D'où? D'où? Non! Putain, j'étais bien en plus là. Oh, c'est trop. Trop, c'est trop. Putain d'enfoiré. Oh là là, c'est. Bon, allez, ellipse. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai plus qu'à trouver le dernier, il est juste là. Je l'extermine et c'est bon. Zen. Zen. Restons zen. Ce jeu m'en veut. Clairement. Il n'a pas envie que je le finisse. C'est un délire. C'est un délire. Je n'en peux plus. Faut que ça s'arrête. Plus qu'une. Mon véhicule, il est dead. Dead de chez dead. Ça s'annonce très compliqué. On a déjà fait un tour de la map. Hein. Parce que là, on est en train de refaire la même chose. J'ai l'impression. Putain. Oh là là. C'est un calvaire. Ah, le niveau de l'enfer. Et là, je vais mourir. En plus, je le sens. Je le sens gros comme une maison. Ça va me rendre fou. C'était sûr. Je vais dans l'eau, je meurs. Hein. Juste comme ça. Hein. Putain.
Allez, il m'en reste que deux. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai assez galéré, non? C'est bon? J'ai eu ma dose? Putain, en plus, c'est deux pattes différentes. Aïe, aïe, aïe. Allez, un de moins. Non! D'où? Mais d'où? Si, allez, nique sa mère. J'ai plus de vie. C'est la merde. C'est la merde. Et il en reste plus qu'un. Qui est juste sur le côté là. En tout cas, pour ne pas vous mentir, j'ai bien galéré. Comme Jaja, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'ai arrêté plusieurs fois. Je suis mort un nombre incalculable de fois. J'ai même fini par croire que le niveau était impossible. Ah non, mais c'est un enfer. Sans mentir, un enfer. Je suis bien content d'avoir réussi. Au bout de la 99 millième fois. Ouh, des munitions. C'était horrible. Je ne souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi. Alors, je sais pas trop ce que je dois faire. Que dois-je faire? Je dois lui mettre des dégâts? Est-ce qu'il faut que je tire dessus? Apparemment, ça ne sert à rien. Ah, faut que je me... Est-ce que c'est ça? J'arrive pas à le toucher, alors... Ah oui, d'accord. Ok, c'est bien ce que je pensais. Faut que je me transforme en Dark Jack. Ok, c'est bon, j'ai compris le pattern. Ça va. C'est déjà un bon début. Par contre, ma vie, elle est fuckhead. Completely. Oh, j'ai plus d'écho. Ouf. Que dois-je faire? J'ai plus de mun, j'ai plus d'écho, j'ai plus rien. Ça annonce du beau jeu. Il me faut de l'écho. Tu me facilites les choses. Mais quel fils de... Oh my god. Comment je me suis fait... Trash talk. Ah mais rarement je me suis fait trash talk comme ça.
J'aime bien comment je mets tout à côté, c'est... Waouh. Je voudrais en faire exprès, j'y arriverai pas. Non mais... What the fuck. Voilà. Ça n'a servi à rien. Super. Taré. C'est lui qui dit ça? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là, un peu, hein. De l'écho blanc? What? Comment ça, de l'écho blanc? Ah, pour la vie, peut-être. Je vais aller en récupérer. Mais... Mais il prend pas. Non mais là je suis dessus là par contre. Bébé. Allez, on récupère de la vie. Pas mal. J'ai pas de mune. C'est compliqué. Ça, c'est toi qui le dis, hein. Moi, j'ai de sacrés doutes, là, à ce propos. Tu vois pourquoi je perds jamais ? Allez, on récupère de l'écho blanc. Pour la vie. L'écho noir. Pour lui mettre des dégâts. Non, t'inquiète. Tranquille. Mais putain. Ça c'est infernal par contre. Non mais quand je suis juste en face de lui, je le touche pas quoi. Oh vas-y, ça rend fou. Je vais jamais y arriver. Hein. J'ai plus de mine en plus. Putain, tous les dégâts qu'ils m'ont mis là. Il est vraiment pas facile à battre. C'est pour ça que je ne parle pas. Hein. Je suis focus à 100%. Non. T'inquiète. Putain. Ça passe à travers. Vas-y, ça casse les couilles.
suis bien meilleur. Pas mal. Putain, je les avais pas vus là. Si, si, ça va très bien, t'inquiète. Putain! Complètement à côté. Pas mal. Non, je vois pas. Je suis en train de te fumer, mon pote. J'espère que t'as pas trop les boules. C'est chaud, hein. Ok, pour l'instant, on s'en sort. Tant bien que mal, hein. Je vais pas y arriver.
à tous les braves gens de cette planète. Onin, Samos et les autres. Votre force et votre sagesse, en ces temps obscurs, nous ont donné une raison de lutter. Ma vie tout entière, je l'ai en fait passée à rechercher une bande de boules de poils. Onin dit que c'est un grand jour pour l'univers. Jack, tu es le plus grand de tous les héros. Tu es parvenu à vaincre les créateurs noirs et, ensemble, nous allons gagner cette guerre. Et n'oublie pas, de nombreux défis t'attendent encore dans le futur. Dans le passé ? Oui, oui. J'y viens, justement. D'autres aventures. J'ai déjà entendu ça quelque part. Nous avons besoin de héros comme toi pour nous aider à protéger l'univers, Jack. Alors appelez-moi par mon véritable nom. Celui que mon père m'a donné. Mar. Attends, Jack, c'est Mar. Le Mar ? Alors viens, Mar. Rien ne vaut le présent. Tu viens, Dax ? Non, j'ai tout ce qu'il me faut ici, mon pote. Mais si t'as besoin de moi, et tu auras besoin de moi. Tu sais m'entendre ? Oh, Daxter ! Mon petit héros ! Nous te devons beaucoup, Daxter, pour tout ce que tu as fait. Pour le courage dont tu as fait preuve face au danger, nous allons réaliser ton vœu le plus cher. Vous savez, j'aurais bien besoin d'un super pantalon. Comme le vôtre. Ça en jette ! J'aimerais bien en avoir un, moi aussi. Je te conseille de bien réfléchir. T'inquiète, chérie, tu vas t'habituer. Oh, il va peut-être falloir que tu traces un peu. Qu'est-ce que t'en penses ? Hé, hey, merci pour tout, partenaire. Tu es un super-héros, Daxter. Ça va être génial ! Ils croient que je suis un dieu ! Et ils ont pas tort ! Notre héros ! Ça va être un très long voyage. Où est-ce que tu vas comme ça, le morveux ? J'ai décidé d'embaucher un assistant et ta candidature a été retenue. On va faire une super équipe. Mais m'énerve pas, ok ? Tu es prêt, Jack ? Nous avons quelque chose à te montrer. Quoi ? L'univers. Je peux pas te laisser, Dax. Avec toutes les aventures à venir, tu tiendras jamais le coup sans moi. Ah, on forme une super équipe. Ah ouais, pour la prochaine aventure, c'est moi qui serai le chef. Top là, mon pote. Ah, je t'ai eu. La vie est belle. Mais what? Je m'y attendais tellement pas. Quand je pense au premier Jack and Daxter, j'étais tellement loin de m'imaginer tout ce qui se cachait derrière. C'est un délire. C'est un gros délire. Bon, par contre, les deux dernières missions, là, j'ai failli mourir. Tellement c'était dur. Enfin, surtout la mission avec la voiture. Alors moi, la conduite, c'est un enfer. C'est un enfer véritable. Et là, je l'ai bien ressenti. J'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. J'ai réussi, par miracle. Mais en tout cas, du coup, je reviens au scénario. Alors, le scénario, super. Hein. Alors là, rien à dire. Mais je reviens au scénario. Du coup, Jack, c'est Mar. C'est bien ce que j'avais compris un peu plus tôt, quand son père, avant de mourir, disait « Le nom de mon fils, c'est Mar. » Là, je me suis dit « Mais Mar, le Mar, le vrai Mar. » Et du coup, bah, apparemment, c'est bien lui. Le héros, quoi. Mais quelle destinée, franchement. Alors que dans le premier épisode, il est pas dans la bonne... Enfin, il est pas dans son bon temps, vu qu'il est dans le passé. Ou dans le futur, je sais plus. Enfin, bref, il est tellement loin de sa bonne origine. Putain, mais je suis choqué en vrai. Je suis choqué, mais dans le bon sens. Un très bon scénario, un très bon jeu. Pas cette plateforme, mais ça reste un très très bon jeu. Un peu difficile par moment, mais ça monte assez crescendo et ça, bon, faut bien le reconnaître, c'est bien, c'est un bon point. Et même s'il y a des niveaux qui m'ont fait rager, bah moi je connais pas le jeu, donc c'est normal que je réussisse pas tout du premier coup.
au final, y a beaucoup de choses qui, bon, des fois sont dures à comprendre. Mais quand on a compris, ça va, c'est très très facile. Là, par exemple, pour récupérer de la vie, mais heureusement qu'on me l'a répété encore et encore dans les commentaires. D'ailleurs, merci à tous ceux qui me l'ont répété. La vie, c'est important. Et heureusement, parce que là, j'aurais jamais réussi à battre le boss sans ça. Voilà. En tout cas, très très bon jeu. Je suis très très content d'y avoir joué et de l'avoir fini. Là, maintenant, on va sans plus tarder commencer le let's play sur Ratchet & Clank. J'ai hâte, j'ai tellement hâte. Ah là là. Jason Dark Jedi. What the fuck? Il y a des Jedi. Enfin bref, c'était un bon bon délire. Je vais juste appuyer sur le bouton pour voir s'il n'y a pas une cinématique cachée. Ah non, pas de cinématique cachée. Ça marche. Bon. Bah c'était un bon jeu. C'était bien cool. C'était bien bien cool. Mode héros. Aïe aïe aïe. À mon avis ça doit être compliqué. Ça on les avait pas ceux-là. Ah c'est vrai que je pouvais être invisible. C'est vrai que j'avais un bouclier aussi, mais j'oubliais tellement de trucs en fait. C'est un délire. Hein. Vu que je faisais pas tout d'un coup, bah forcément t'oublies des trucs. Bon, j'ai acheté toutes les scènes, comme ça je vais pouvoir faire le film. Ça c'est bien hein, quand tu peux revisionner toutes les cinématiques. Ça m'évite de les chercher dans tous les épisodes. Ça prend beaucoup de temps sinon. Ça va être beaucoup plus simple de le faire. Mais vraiment, très très bon jeu. Je suis très très content d'y avoir joué. Et franchement, voilà. Je suis très très content. Si j'ai un seul regret, c'est que finalement, j'ai fait 22 épisodes. Ou 21, je sais plus. 21 épisodes, je crois. Et c'est le seul regret que j'ai. Parce que ça fait beaucoup d'épisodes, je trouve. Surtout qu'il y a eu des épisodes super longs. Et que j'ai super cut. Des épisodes, je les ai cut de ouf. Là, par exemple, cet épisode-là, il dure plus d'une heure. Mais à mon avis, vous aurez que 40 minutes. Parce que je vais cut pas mal de choses. Parce que sinon, bah, ça n'a aucun intérêt. C'est des morts en boucle. Et encore, si je dis des trucs intéressants, ça vaut le coup. Mais en fait, je ne dis rien. Je reste focus. Je meurs. Je tente. Je meurs. En tout cas, très très bon délire. Très très content. Et j'ai hâte de voir ce que le let's play sur Ratchet & Clank Nexus nous réserve. Moi je vous dis à plus dans le bus. Oula, j'ai dit à plus dans le bus un peu rapidement. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si vous avez apprécié cet épisode et ce let's play. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures sur Jack, peut-être. Allez, à plus dans le bus.